Bonjour à tous, voilà, je vais vous montrer très très vite les vinyles que j'ai trouvés dernièrement. Après j'ai juré de me calmer. Alors, Country Joint the Fish, un superbe deuxième album du groupe en pressage US, superbe avec son jeu, avec le game, un petit sticker d'ailleurs. On se promène dans la rue, une sorte de jeu de loi où on doit se promener dans la rue dans San Francisco avec des petits personnages du groupe qu'on pouvait découper, les mettre dessus. Hein, super. Heartmeat ici, superbe prog rock anglais, super bon psychédélique, super, super, vraiment super bon. Très bonne guitare, très bonne composition. Vraiment magnifique ce sorti, c'est un américain. Superbe. Alors, Ashra Temple, Manuel Gotsing, sorti, c'est un album 1976. Bon, c'est déjà un peu tardif, c'est un petit peu la seconde vie du groupe Ashra Temple, certainement après le départ de Klaus Schulze. Encore magnifique. J'en vais encore écouter, j'ai pas encore, je vous avoue, j'ai pas encore eu l'occasion d'écouter. Alchimie, c'est du folk anglais, folk psychédélique anglais, c'est sorti sur Harvest. Magnifique album encore aussi. Des musiciens, on voit ici les musiciens. Donc folk psychédélique, vraiment minimaliste et vraiment psychédélique. Hein. Bon, ça c'est pas que du folk, c'est plus psychédélique, je vais dire, que folk. Mais voilà, avec une instrumentation acoustique très très bonne, c'est très très bon, très spécial. Alors ça certainement, bah, le plus décevant de cette pioche, il en faut toujours un de toute façon, c'est Zoot Money, voilà, c'est un des musiciens psychédéliques qui a joué avec les Dandelion Chariot. Et il a joué aussi comme. En fait, c'est le batteur des Dandelion Chariot. Il a joué aussi avec les Animals. Mais bon, l'album, voilà, le gars nous fait rentrer dans son monde fantastique et psychédélique, peut-être, mais un peu trop orchestré. Voilà, ça manque de guitare, un petit peu de ces formations. Je sais pas toujours où veulent en venir ces musiciens. Ça ressemble un petit peu à Kate ou quoi. Il y a des musiciens, mais des trucs très orchestrés. Mais bon, il est considéré comme dans les psychédéliques. C'est vrai qu'on nous entraîne dans son univers, mais. Voilà, comme un ancien du psychédélisme, j'aurais cru mieux, quoi. Et les deux, trois derniers albums, Malachi, Holy Music, superbe. Alors Malachi, c'est un des tout premiers albums psychédéliques. C'est une sorte de raga, comme ça, indienne, avec des tablas, des clochettes, une sorte de musique méditative. Voilà. Avec une superbe pochette intérieure, ça a été édité sur Verve, le label Verve, un label new-yorkais, je crois. Et il y a des petits textes ici, hein, dont un qui est signé Alan Ginsberg, voilà le grand pop du mouvement hippie et psychédélique. Superbe, un bel album en tout cas. Très spécial comme musique. Bon, pas de guitare, bien sûr, vraiment une musique méditative. Et voilà, alors, deux super bons albums ici. Fanny Adams, alors, ça c'est vraiment très très bon. 1971, c'est du hard rock psychédélique. Je crois que ce sont des gars d'origine. D'origine australienne, oui, qui vont venir s'installer à Londres, si je me trompe pas. Il faudrait que. Mais c'est super bon, alors là, super, super bon disque, bonne guitare, ça pète le feu, un super bon truc.
Et voici le dernier, le fameux Edward Children. Edward Children. Superbe aussi, un album du San Francisco Sound. C'est tout à fait excellent, c'est sorti sous Radka. Très très bon disque, 1967, donc vraiment San Francisco Sound avec des morceaux un peu garage. C'est réputé comme étant un petit peu aux premiers essais du Jefferson Airplane, mais c'est très 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 bon. Hein. Voilà, des disques très recherchés voilà, par les amateurs. Je suis bien content d'avoir trouvé cette disque, surtout les deux derniers. Je vous remercie. Bonne journée.